Salut les enfants. Alors aujourd'hui on va faire un peu de récup. On a, comment il s'appelle? Christophe. On a Christophe qui nous a contacté pour venir récupérer un poêle à bois. Et il nous a envoyé une photo et c'est plutôt un bon poêle à bois, tout moderne et tout. Donc ben, on va aller récupérer ça. Il y a tout le tubage avec et il a d'autres choses à nous filer. Alors on va aller voir. Allez, c'est parti. Viens avec moi. Salut Christophe. Salut. Alors tu viens, c'est cool de nous avoir appelé pour nous refiler pas mal de choses. Ah ouais, c'est du coup, de, chose, hein. De la ferraille, petite jardinière en ferraille. Bon alors nous on n'utilise pas trop de jardinière, mais au moins la ferraille est épaisse, tu vois. Puis comme on va faire une forge avec Ando, bah, ça peut toujours être des morceaux de ferraille qu'on va refondre. T'as vu comme quoi? Pour forger. Là, tout sert. Pas mal. Allez, viens, on va voir les autres trucs. Ah. Une vieille ici. Bon. Ça, il va falloir être motivé pour couper les arbres avec ça, clairement. Mais bon, c'est toujours des récupérés, des récupérés. Des planches, ça, ça peut être utile. Tubage, pour le poêle à bois. Ça, c'est pas mal, ça. Tu vois, plein de ressorts, là, pour faire des ouvertures de portes. Tu sais, pour que ça se referme tout seul. C'est pas mal, ça. Il y en a un paquet, en plus. Trampoline. Ah, c'est trampoline, pas mal. C'est toi qui as raison. Oh, un moteur, bon ça le moteur, je sais pas trop ce qu'on va en faire, hein. Clairement, je sais pas trop. Et puis bah ça. Et la pépite. La petite pépite, effectivement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a pris à dire tiens, je vais les appeler. C'est parce que c'est par rapport à Gilles. Ouais. Bon. J'ai la place de foutre dans la déchetterie. Tu gilou. Bah ouais. Ça va mec. Tant que ça terme. Mais du coup, toi, t'as enlevé ton poêle, c'est le poêle que t'avais dans la maison. Mmh, ouais. Et là, on a changé. Là. Ah. On a mis celui-ci. Le là. Super. Super. Ouais, ouais. Salut. La nouvelle ça va être magnifique. Pépette la star. Ouais, bah. Et puis de la visserie aussi, tu as des tire-fonds, la petite boulonnerie, des vis auto-foreuses, ça c'est toujours bon à récupérer. C'est super. Pareil. Soleil enduit. Ah bah oui. Bah vas-y. L'oublie pas. C'est top. Et bah voilà, c'est chargé. Super. Même des petits plants de tomates. Petite installation des jardinières, magnifique, c'est beau. Bah Christophe, merci mec, c'est cool, c'est un grand plaisir. Bah, moi aussi c'est un grand plaisir. C'est cool. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Sorte en bord de mer, c'est super cool. Et puis, je passe dans le fond de terre, simplement vous rendez. Merci. Ciao, ciao. Ça, t'as des gros pieds, toi. Merci encore. De rien. Et puis, n'hésitez pas à venir faire un petit tour de la ferme. Ah ouais, moi j'aimerais bien. Ça fait un temps que j'aimerais bien. Et ben en tout cas, Christophe et Pépette, merci beaucoup pour ce poêle à bois. C'est pas une cuisinière, c'est un poêle à bois. Parce que ben on va pouvoir encore mieux chauffer la maison avec ça, faire un petit combo de la cuisinière et du poêle, comme ça, en cas de grosse négativité de température, et ben on pourra bien chauffer et sécuriser le tout. Super. Vous en pensez quoi les gars? C'était pas mal ça, non? Super gentil, ouais. Et un bel accueil, c'était parfait. Ouais. Ouais, c'était vraiment top. Merci encore. Merci. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas très loin de chez nous et qu'il y a des poutres, du bois, tout un tas de trucs à récupérer qui pourraient nous être utiles, et bah on fera le déplacement, on verra bien ce que ça donne, on prendra des petites photos pour voir un peu, enfin on demandera des petites photos pour voir un peu, et puis bah voilà, ça servira pour un beau projet écologique. Allez, salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies. Sur la nourriture aussi, les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie, Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.